Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance Les énergies pour le mois de mai pour ceux du signe Vierge ou ascendant Vierge. Comme je le dis, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation, un tirage, une guidance personnalisée en privé, vous pouvez me contacter. Les Vierges pour ce mois de mai, on va commencer avec trois petits oracles. Les anges, la guidance étoilée et enfin mission de vie. Votre premier petit message avec le petit oracle des anges, donc on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Avec le petit oracle mission de vie, c'est une période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et d'avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et enfin avec le petit oracle guidance étoilée, c'est l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence, à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Alors ensuite, les Vierges, pour ce mois de mai, j'ai effectué trois autres tirages. On va retrouver donc pour commencer l'oracle des Médéors. Alors pour cet oracle, j'ai utilisé uniquement les cartes guidance de Médéors. Alors on vous parle, pour vous, c'est la carte déblocage du troisième œil, apaisement de votre mental. On vous invite ce mois de mai, par un soin, par un travail, avec un thérapeute, un professionnel ou par de la méditation, peu importe, à travailler sur votre troisième œil, à apaiser votre mental. Si vous faites un soin, par exemple, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre part intuitive. Il vous aide aussi à apaiser le mental en vous réalignant sur des énergies subtiles. Alors ensuite, j'ai utilisé guidance de l'univers féerique. Et ici, c'est la carte de la vision lucide. Donc ici, on vous parle d'un nouveau regard sur votre vie. Pour certains, vous allez peut-être sortir la tête de l'eau. Alors sortir la tête de l'eau pour voir ce que la vie a de beau à vous offrir est le message de cette carte qui vous révèle des prises de conscience pour vous qui vont émerger. Une vision inédite des choses de votre vie, de votre entourage, des personnes autour de vous. Pour vous, ce mois de mai, il y a un nouveau courant de pensée relié aux différents chakras représentés par les aurores boréales qui se met en place actuellement dans votre vie. Restez confiant en l'avenir, car quand votre inconscient remonte à la surface, il peut aussi être source de bouleversement. Mais c'est pour mieux voir par la suite ce qui est merveilleux dans la vie et pour améliorer votre cheminement sur Terre. Pour finir avec l'oracle de la transformation, on vous parle de sentimentalisme. Il y a quelque chose de votre passé qui va attirer votre attention. Alors cette carte, elle vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens, de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs et ces sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Ici donc avec cette carte, pour certains, vous pouvez par exemple retrouver un objet, quelque chose que vous avez perdu qui a une valeur sentimentale. Peut-être que vous allez retrouver une personne de votre passé, quelqu'un à qui vous teniez. Pour d'autres, on peut parler de rédiger vos mémoires, de rendre hommage à un être cher ou alors de collectionner des objets anciens. Voilà pour cette petite guidance, donc les Vierges, donc pour ce mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.